mona kine monisi uvangi na mwende ya bokonzi pembeni na yo banjedu bako waka mitole kisope awa na setundini yesu yo zali nzambe mika mwanyo so yo sala kapapa etindi tu yemba yesu vangi na lola yo vangi na lola yo bongi na kimbo papa tutongo la kayo yo bomba na Fandina Lola, ma colonna è niente ma bene, da me a voi na sua e wapi. Yesu nanga, mon konzi batika yo. Fandina Lola, zambe nanga, yobongina kewe. Papa tutongo la kala weo, yobongwa na kate. Yosani yesu, yamaina kongo, kutuwa yamaina kongo. Tokumi sakayo pozali nzambe mosantu bongo na tina na yo e na tina na yo e tobenga mi banzambe na tina na yo na tina na yo e biso zosi kola na tina na yo e tokumi bato na tina na yo e tobenga mi banzambe na tina na yo na tina na yo e biso zosi kola ni e Yesu e na tina na yo e Yesu e tobenga mi banzambe Alléluia, Dieu du gloire. Passe tout le petit maboko. On a oublié la tata. La toile est mine. Que moi, c'est bon. Le coup tata mon nom. Le coup de Sintina. Approuver son consentement. Pour cela, nous sommes dans une cérémonie officielle
parce que Gilbert et Judith se sont décidés de convoler l'annonce des morts à l'officier d'état civil, nous allons nous tenir debout pour chanter l'hymne national parce qu'il s'agit d'une manifestation officielle. Dès que nous aurons terminé avec l'hymne national, nous allons inviter toute personne ouverte par le Saint-Esprit de nous conduire dans la prière. On est parti avec l'hymne national. Nous allons prendre quelques thématiques qui vont dire l'essentiel sur le mariage. Notamment, nous allons définir le mariage. Selon l'état du mariage, c'est quoi? Il y a un principe fondamental sur lequel se base le mariage légal. Nous allons l'évoquer. Quel est le but du mariage selon la loi? Nous allons aussi parler de ça. Nous allons vous dire quelles sont les conditions de formation d'un mariage légal. Il y a les conditions de fond, il y a les conditions de forme. Ensuite, nous allons survoler les effets que doivent produire un mariage légal. Nous allons vous dire comment se dissout le mariage légal. Nous allons prodiguer quelques petits conseils et nous allons procéder à la célébration proprement dite. Quoi? Quelle est la signification du mariage? Parce que je n'ai rien à inventer, je dois prendre ce que dit la loi. Le mariage, nous sommes à l'article 330 du Code de la famille. Le mariage est l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré
et qui établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution donc, sont déterminés par la présente loi. Donc, selon la loi, le mariage est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés dans un mariage antérieur enregistré. J'insiste, c'est ici où je voudrais dire que quand vous voyez un homme qui a déjà une femme à la maison et des enfants, mais qu'il n'a pas marié légalement, donc, Ben bikabate ba kuza ba ka sécurité quoi. Le reste ba ke kuza sala ya après parce que ko ken ken ko ta na ko ni ba ko ba ta ba ne bele les en sécurité ti ya oui na betina ko tuba il est inutile na tu na oyo est ce ko ba la kana est ce que ngem ta ka na ndam est ce que ngem ngena moi tant que mu na ya ouvé ça ne s'appelle pas un mariage. Un mariage, c'est celui qui a été reconnu par l'État civil. Vous avez le jugement qui dit que ce mariage a pris fin. Enfin, je dis ceci. Quand nous voyons ce que dit l'article 333, que c'est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés l'un et l'autre dans les liens d'un précédent mariage. Moi, je vous dis, je suis fier d'être congolaise, de père et de mère. Ponanine, moi, Karabusoy, attends-moi, pas problème, mes amis. Moi, papa, c'est les amis. Tous ces pays qui se disent aujourd'hui développés sont passés par des hauts et des bas comme notre pays. Aimons notre pays. Ma loi ici, la loi se conforme à la loi divine. Parce qu'on marie un homme et une femme. À travers le monde, le maire peut s'élever parce qu'il y a un mariage entre deux femmes, parce qu'il y a un mariage entre deux hommes, et il y a même des mariages entre des animaux et des personnes. Oh non, moi je suis un peu plus grand. Allez, hymne national, mère, mais il m'a dit qu'il faut que je me dise. Donc, chez nous, notre loi dit que c'est un homme et une femme. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à acclamer l'éternel bien et au même moment pour encourager Gilbert et Judith. C'est un lien entre un homme et une femme qui ne sont pas engagés dans les liens d'un précédent mariage enregistré. C'est ça le mariage légal. Nous allons à l'article 332, on dit, sauf disposition contraire, les règles de la présente loi sont impératives et d'ordre public. Aucune convention conclue en considération d'une union distincte du mariage, telle que définie à l'article 330, ne peut produire les effets d'un mariage. Balobi Bouy. L'air m'a mis 80 ans fiancé. Tout la fausse commentaire de la maison. Ça devient impératif et d'ordre public. C'est l'ordre impératif de la loi. Tant que l'État a kokangi sa bango na libala, un point est très bon. Tu vas dire que tu es un peu comme la Gilbert. Tu vas dire que tu es un peu comme la Judith. Tu vas dire que tu es un peu comme la Gilbert. Tout autre lien contraire
au mariage tel que défini à l'article 330 n'est pas mariage. Il y a un groupe de prière, il y a une église, il y a après, il y a un oh non, Kinga ne met pas la prophétie, mon frère tel, moi si je suis mon livre, mon sœur de mon mari tel, alors le pasteur, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Et ça, il y a la tête selon l'État. Et dans le partenariat que nous avons avec l'État, l'Église, le ministère, qui est respectueux de la loi et de l'État. Papa Mola Kaliba la sorte de monique et l'État a kangi sinan basingana. Bisopé l'État, avant ton kangi sa basingana, bisopo ya l'État, total à kanano, famille, koutim, ndengeni, to bandina ma famille, to komina l'État, to soukisi na mariage religieux. Donc, bango, bazabana, mais Balandi, Zela Ango Oyo, ils ont tracé dans l'État. En tout cas, ça nous fait de la fierté. Quel est le but du mariage selon l'État? Nous allons à l'article 349 du Code de la famille. Pourquoi se marier? Le mariage a pour but essentiel. Non, je suis allé un peu trop vite en besogne. Un principe fondamental qui régit les mariages avant qu'ils ne soient célébrés, c'est le principe de la liberté du mariage. Et là, nous allons dans l'article 334 du Code de la famille, qui dit ceci. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Selon la loi, Beto, côté quoi pour la Congo centrale, même dans la province, il y a un temps où on a un cas qui est pour nous, 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 on a un cas qui est famille, mais tu dire ça quand il dit quoi la famille des Alakati. Je voudrais un peu expérimenter si ce principe-là a été respecté. Parce que chez nous, dans les milieux urbains, il n'y a pas ces histoires d'imposition, d'arrangement des familles, mais il y a des pratiques en milieu urbain qui entrent en collusion avec le principe de la liberté de mariage. Par exemple, chez nous, dans les villes, il y a ce système de commissionnaires. Baluki la kabat bandaku, bamituka, la commissionnaire peut baluki la kabat basi, basali. On a encore la société, on a quête, on s'en va, on a pidia, il y a inda, ten, il y a moins la pembe, il y a un chouk, il y a moins la koufi, tout, il y a moins la pidia, il y a un peu. Ma téléphone, mais comment? Ah, oui, ça va. Gilbert! Nani poni na kange Judith. Ngemosi. Sam mundi makenge mosi pona ka Judith. Budi la mundi solo, mone la ka Judith wapi. E banda min dengi ni. Parce que l'air ngena kutuba. L'air ngena kutuba. Mais kuwa inu akena kututa na seke ozo fonde, seke commissionnaire mouto alukela kiyo. Judith, seke diambu, seke problème. Ale betume panzade ko, betume kwenye. Vous avez un comportement à madame. Parce que vous avez un comportement à madame. Vous ont charmé battu. Vous avez un comportement à madame. Vous charmé battu. Donc, vous avez un collègue à Tchik. Vous avez un collègue à Moussala. Vous avez un frère à l'église. Vous avez un peu de parole. Le principe de la liberté du mariage a été respecté. Quel est le but du mariage? Nous allons à l'article 349 du Code de la famille. Il dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager la commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Selon la loi, c'est pour que
vous puissiez vivre ensemble pendant toute la vie. Je voudrais ici répéter que Gilbert, tu n'es pas un ange tombé du ciel. Judith, tu n'es pas un extraterrestre. Binonion Somibale, Benukeba. Yazola tout. Benukeba pas défaut, Benukeba qualité. Nga mume katuba ke mambo nyo sto ya mbote ya ndi ai mambo nani nyo sto imbi moye kile ni mutu na mutu ke na kote na ndia bien ani ke na kote na ndia imbi. Quand on vous dit qu'il faut vivre pendant toute votre vie ensemble, l'exercice auquel vous allez vous donner chaque jour, c'est de vous comprendre, c'est de vous pardonner, c'est de vous supporter. Parce que moi, au Kabana, les anti. Chaque jour, vous êtes dans la même maison, sous les mêmes toits, dans une même chambre, sur une même lit, sous les mêmes draps. Ce n'est pas une monotonie, mais c'est ça la vie dans laquelle vous allez vous lancer. Vous allez vivre ensemble pendant toute votre vie jusqu'au décès de l'un parmi vous. C'est Dieu qui est le maître de la vie. Quand il aura décidé que moi si akufa yo tikal. Soit a décidé que yo akufi moi si atikal. Et puis, le baratier, que non, le roi de Baral, même une fois, alors nous sommes à Baral en tant que dans la famille Gilbert, Anne Vinginina, c'est une fois et c'est fini. Jusqu'au décès de l'un parmi vous, partagez votre destinée commune. Yazo la touba, Nessengo, vous avez ici Kambo, Napas, vous avez ici Kambo, Bozui, vous avez ici Kambo, Bozui, vous supportez. Problème, Odale Linzam, tout en se faisant confiance l'un avec l'autre. C'est ça l'exercice qu'on appelle partager votre destinée commune. Moninga Abeli, Moussousou a compati. C'est ça le mariage. Perpétuer l'espèce, c'est la loi qui le dit. Et l'ingé le baquet, ba congolé bazo botama, ba congolé Moussousou bazo koufa. Ils sont les bienvenus. Ma belle à Congo, ils ont mon aîné, Yamanga, les Yake. Mais peut-être que vous êtes là, l'air de vous tabac, parce qu'on dit ici perpétuer l'espèce. Mais nous vous disons, vous avez le rôle à Congo, peut-être que vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez Donc, peut aussi être célébré. Par exemple, pour Gilbert et Judith, ils ont voulu que ça soit célébré. Après vous être enregistré 15 jours francs auparavant, pour nous permettre de faire des enquêtes et pour permettre à la communauté de se prononcer sur la possibilité de ce mariage-là, vous venez dans les locaux de l'officier de l'État civil. C'est-à-dire à la mairie, c'est là où se célèbre le mariage. Si un mariage ne doit pas être célébré dans les locaux de l'état civil, de l'officier de l'état civil, il faut une ordonnance de délocalisation délivrée par le tribunal de paix. Nous voyons ici l'ordonnance de délocalisation où Gilbert et Judith, ils n'ont pas voulu que le mariage soit enregistré. Ils ont voulu que ça soit célébré parce que c'est une étape importante de leur vie. Nous pouvons les encourager par nos applaudissements. Les conditions des fonds, des formes sont remplies. Quelles sont les conditions des fonds? Il y a trois conditions des fonds. La première condition, pour qu'un mariage soit légalisé, il faut le consentement des époux.
Donc le consentement est déjà exprimé. La deuxième condition des fonds, c'est la capacité. Pour se marier, il faut être capable. La capacité voudrait dire qu'il faut avoir 18 ans ou plus. Nous avons vu les photocopies des cartes d'électeur et des différentes attestations d'état civil, ils sont majeurs. Donc on se marie légalement quand on est majeur. On ne peut pas accepter un mariage entre mineurs. Mais dans la capacité seulement, ce n'est pas seulement l'âge. Il y a d'autres paramètres qui interviennent. Notamment, quand vous avez des liens de famille, cousin à cousine, quand vous êtes des cousins, des cousines, un oncle paternel contre une nièce, un oncle avec une tante, quand vous avez des relations de famille, en ligne latérale ou collatérale, le mariage ne peut pas avoir lieu. Toujours dans la capacité, quand il y a des liens d'alliance, c'est-à-dire, par exemple, Gilbert, grand frère Nani, Kouelaka petite sœur Nani, ou bien Tata Kouloutou Nani, Kouelaka cousine Nani. Donc, quand on a beaucoup de mal, donc, l'Ibala, pour que ça soit légalisé, et nous avons vu dans le temps de nos ancêtres, quand il y avait des mariages de consanguinité comme ça, alors les gens disent non, aussi, dans la capacité, il n'y a pas de mariage entre un adoptant et un adopté. À supposer que papa Gaulois, maman Gaulois, il n'y a pas de mariage entre un adoptant et un adopté. Ou bien par exemple, papa Gaulois a couffé les moissons à l'objet. Moi, non, tu vois, t'as une moissine à aimer, mais la moissine en gars, le vol à poli, ou bien un acte de volcan, moissine, et c'est comme un sous. Moi, non, tu as adopté qui n'a soyez comme une moissine. Quand l'État tombe sur des cas pareils, c'est de l'inceste et c'est indispensable. Nous avons essayé de vérifier dans le dossier de Gilbert et Judith, nous n'avons pas vu de lien de famille. Chacun est venu de sa famille. Je crois qu'ils se sont conformés aux prescrits de la loi. On peut les encourager par nos applaudissements. Condition de fonds. Pour qu'un mariage soit reconnu par l'État, il faut avoir versé la dot. Nous allons à l'article 361 du Code de la famille. Il dit ceci. Le futur époux et sa famille doivent convenir avec le parent de la future épouse d'une remise des biens et ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie. Nous allons vérifier. Nous voyons les listes de la dot. Nous voulons ici rappeler que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, mais c'est une convention entre deux familles. Parce qu'on dit bien ici, le futur époux et sa famille. Car par exemple, vous appelez la moine anglais, il y a un monde à fiancer, mais vous n'avez pas de masse dans la vie, vous n'avez pas la tête. Il faut que les membres de la famille soient là. Comme c'est
Gilbert et Judith qui se marient. Je voudrais un peu demander aux parents de Judith, aux parents de Gilbert de se mettre debout. Ma famille est Gilbert. Ça nous pousse, là. Ah, donc, vous prenez qui pour là. Vous prenez qui pour là. Ma famille est Gilbert. Très bien. Donc, c'est un problème de famille. Vous êtes là, Gaïao. Gaïao. Famille maternelle, Simba, Wapine, Yaya, Bidouke, le mariage, en français, ce que vous êtes en train de faire, on dit se marier. C'est un verbe transitif. Et nous dit que Gilbert a son bal à Judith, Judith a son bal à Gilbert, Marumi Bali a son bal à Entre-temps, Judith vient à la maison, rendez-vous de donner et de laisser. Il y a un mot qui est délivré. Quand tu vas avec, ah, allez, le moto. Vous allez au mariage en partenaire égal avec votre mari. Vous allez le respecter parce qu'il est le chef du ménage. Nous le dirons par quelque part. Vous le respectez, mais nous, on a dit, vous avez le mot de Zambi. Ah, mais tout le monde va dire, mais il n'y a pas de papa. D'abord, on va dire, papa, tu vois, ça, tu as dit, 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 tout ce que vous voulez faire, sauf l'appeler papa, sauf l'appeler maman. Parce que l'amour entre les enfants et leurs parents, et l'amour dans le couple, c'est différent. Il ne faut pas faire l'amalgame. Nous avons vérifié les trois conditions des fonds sont remplies. Maintenant, nous allons cheminer vers la célébration proprement dite. Mais avant tout, nous voulons vous dire quels sont les effets que produisent un mariage légal. 442 du code de la famille. Le mariage crée le ménage. Vous créez votre ménage. Vous allez chez vous. Parce que vous devez consommer le mariage. C'est l'article 444 du code de la famille.
nous dit ceci. Le mari est le chef du ménage, les époux se doivent protection mutuelle. L'air va être tout bagarre. Parité, 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 parité dans qui ça. Il y a bagarre dans la salle, qui est dans la salle. Bagarre dans la vente à fumer, qui est dans la vente à fumer, qui est dans la qui ça. N'ali pas la mokozi aza mokoba bengiye, mokoba. Kanange ke vwanda ka magistrat. Ngeke vwanda ka avocat. Ngeke vwanda ka médecin. Ngeke vwanda ka gouverneur yanke. Soko ke nalibala. Mokonzi nakati ya libala. Mobala. Ki gouverneur na yo, otiki ya. Ki ministre na yo, otiki ya. Ki député na yo, apa. Nalibala mokonzi aza mokoba. Mobala. Dans le lobby, je suis en train de me faire un bâle. Je suis en train de me faire un bâle. Chef du ménage, lobby, que vous êtes l'autorité morale de la maison. Pour coordonner les choses à la maison, pour lever les options dans la maison, pour mettre de l'ordre dans la maison. Quand on parle de responsable, c'est ça être le chef du ménage. Vous êtes le centre d'impulsion des projets qui font la promotion de la famille. Les enfants sont contents de voir leur papa rentrer à la maison parce qu'ils trouvent en leur papa l'homme idéal qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne tout ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il faut que maman aille évacuer. Dans mon bali, mais vous voyez quand la porte. Après qu'on y a embayé, parce qu'il y a le bim, mon bali, aïe. Vous devez parler, vous devez vous taper, vous devez vous taper. Donc, chef de famille, qui est venu dans la carte à YouTube, pour que je me dise que je suis en autorité. Il faut un grand cœur, il faut de l'affection, il faut un sens de responsabilité, il faut de bonnes choses qui sécurisent la famille. C'est ça, être un bon chef du ménage. Un chef du ménage qui écoute son épouse, qui tient compte des conseils ou des propositions données par son épouse, que tout va faire comme non, je permets, ici c'est moi qui prends. Non. Donc c'est ça être un bon chef de ménage. Dictature, oui. Chef de ménage, oh non, chercher à faire des concessions. L'essentiel est qu'il y ait la paix, qu'il
qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait l'harmonie dans la maison et que le mariage continue. C'est ça, être chef du ménage. Tout en étant chef du ménage à la maison, vous, vous allez vous considérer comme le chef de l'État. Mais elle va se considérer comme le premier ministre. Dans un pays où il y a un président de la République, sans gouvernement, le pays ne peut pas marcher. Donc, on se complète toujours et la vie est faite toujours des hauts et des bas, des concessions et la vie continue. Un autre effet produit par le mariage. Nous allons à l'article 459 du Code de la famille. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Notre loi n'accepte pas la polygamie, elle n'accepte pas la polyandrie, c'est-à-dire un homme pour une femme pour un homme. Toi, tu vas rester sonité et le côté, mon bas de Azaya Dieu. Moi, c'est Azaya Dieu. Il n'y a pas de terri, il n'y a pas de tabou, c'est dans une compréhension parfaite. Aux opérés ces sentiments n'atténuent pas. Dans le mariage, nous sommes à l'article 447. Les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état. Contribuer aux charges du ménage voudrait dire faire tout ce qui doit être fait pour que la vie dans le ménage parte bien. Il faut qu'on y aille, madame. Il faut bien voir ta naïve. Quand on a bien il faut bien nous battre à traitement. Quand on a bien le foutu la naïve, il faut bien le foutu la naïve. Ce sont les deux. Mais en ordre de priorité, c'est l'ordre. Selon, on dit ici, selon leur faculté et leur état. Dans un couple, peut-être un cas, tu as même l'autre, ça va moyen. Bah, quand on a pas moyen à fioter. Et du coup, là, l'usine, nous avons la caisse à la cœur, selon l'état et mon sumo aussi, mais nous coudions, mais nous voyons, mais nous salarions. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Mon avis, il m'a pas tu ah, chérie, sans doute, on va vous foutre de la nappe, nous avons un problème. Qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as dit, tu as dit, ça m'a dit, tu as 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 dit, je suis ici, je suis moi, si je suis là, il est à l'île. Contribuer au charge du ménage, pour tout faire que chaque jour, je suis venu à l'île. Je suis venu à l'île. Je suis venu à l'île. Je suis patrimoine que vous allez avoir. Vous avez eu des biens avant. Vous allez avoir des biens maintenant. Le premier bien commun que vous allez avoir, ce sont les cadeaux de mariage. Et après, vous allez travailler. Il y aura d'autres biens que vous allez avoir. Comment vous allez gérer ce bien? La loi a prévu trois manières de gérer le bien. Il y a la communauté universelle de biens, c'est l'article 533 du Code de la famille, qui voudrait dire que les biens antérieurs que vous avez eus avant le mariage, le bien que vous allez avoir pendant le mariage et jusqu'à la fin, tout c'est dans un patrimoine commun à deux. C'est ce qu'on appelle la communauté universelle de biens. Il y a la communauté des biens réduits aux acquis.
C'est l'article 516 du Code de la famille. Là, les biens reçus, ou bien les biens que vous avez acquis avant le mariage, il s'est fait que l'homme et la femme aient des biens communs dans lesquels ils sont associés avec les membres de sa famille. On doit les laisser. Il n'y a que les fines parties là qui vous appartiennent, qui va vous poursuivre. Mais à partir du mariage, c'est une communauté universelle jusqu'à ce que Dieu va vous séparer. Et il y a la séparation des biens. La séparation voudrait dire, vous êtes dans un mariage, vous vous aimez bien, il n'y a pas de problème, mais il y a deux patrimoines différents tout en étant dans le mariage. Et quand vous passez auprès de l'officier de l'état civil, du préposé à l'état civil, je crois qu'il vous a parlé de ça et vous avez eu à choisir en âme et conscience un régime parmi les trois. Et comme l'homme est le chef du ménage, nous allons demander à Gilbert quel est le régime que vous avez choisi pour gérer le patrimoine que vous aurez dans votre mariage. Oui, Gilbert. Communauté universelle de biens, le chef du ménage, le chef de l'État dans la famille a parlé, mais le chef du gouvernement doit aussi se prononcer. Vous êtes d'accord? Venez-vous dire là-bas, mon coup. Dis-quoi, il y a l'État, où est-ce qu'il y a des mains ici? Où est-ce qu'il y a des mains ici? Moi, je rentre toujours à l'article 349 qui dit que vous allez vous séparer quand Dieu aura décidé sur la vie de l'un d'entre vous. Je relis. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre vous. Vous êtes mariés. Le contrat de votre mariage, c'est un contrat pour la vie, à durée indéterminée. Ma quoi l'État, il y a quelques fois qu'on avait par la disparition de l'un des époux. Le décès, la preuve est là, c'est le cadavre. La disparition, c'est différent. Beto Awa, en 2016, vous la boulot à Mungolo Awa, 40 personnes toutefois. 27 vivent, mais mon anaka, 13 ans, 14 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 ans, on les appelle des disparus. Quel est d'accord dans ma soeur, un mémoire dans son lit? Quel est d'accord pour tout cas, maza, gold, et même pour la maza, il est même mon âme, va rescaper même mon âme, belle même mon âme, vous êtes disparu. Quel est d'accord dans l'avion? Maman, il faut que vous avez dit ça, vous avez dit ça, elle m'a monté dans tel avion. Avion a voulu s'éclater, crash, il est même mon âme, avec ma transe, même à ça, il y a aucun épave, il y a l'avion. On vous appelle un disparu. Et la loi prévoit que, pour des cas pareils, 5 ans après, le tribunal de paix émet un jugement qui assimile le disparu à une personne décédée. Si, dans ces cas, une des personnes est décédée, c'est 5 ans après que, quand le jugement est là, avec mon accueil, et même 3 ans, ma collègue aussi. Quel est dans la paix pour ça là? Ma collègue même fois la divorce. Ma collègue même si vous voulez dire ça. C'est pour bénir, c'est pas pour manger. Amen. Nous sommes les marins dans mon épisode, Nicolas Abana, il faut les aller malade pour que le diable ne puisse pas s'en emparer. Je ne vais pas vous dire comment on fait le divorce. Vous restez comme ça jusqu'à ce que Dieu va vous séparer. Bavoir dans la coach, il y avait un témoin, ma couille, la mosuie, on va parler. Bon ami, ben comme on a qu'à quoi, puis on va parler. Allez, ben on a qu'à parce que pour nous, la cabane, à coupler les vitaux, hein.
Si vous avez des problèmes, c'est vous deux d'abord qui devez terminer ça. Vous savez que nous sommes dans ma parrain. C'est ce que j'avais à dire par rapport à mon exhortation sur la loi. Parce que même quand vous irez au mariage religieux, le pasteur, le ministre des dieux, prendra aussi la Bible, où il va soutirer juste un ou deux extraits qui concernent le mariage pour vous prêcher. Par aussi les Bibles à mon ordre. Quelques petits conseils. Banda sikoy, vous osez voir les balles. Sauf salade, parce que même vous tracez la vie qui vient, si la kevouane est ouverte. Sauf sa maître calme, tracez une ligne entre votre passé et votre présent. Que le passé ne vous poursuive pas dans le mariage. Oh non, mais le voir même qui nous voit quand après le bannir, oh non, vous tenez chez le verbe, tu l'as comme nous, ne vous en avez pas quand on a dit. Ne vous en avez pas, ça c'est du passé. C'est du passé. Yo, ça n'a passé na yo. Yo, ça n'a passé na yo. Le passé reste au passé. Vous commencez par le présent. Ni qui nous vous montre, venez là, vous trouvez là, vous. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, je ne sais pas. Gilbert a confiant que je suis là, 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 je suis Gaia, nous en avons la fin à copier, mais pas peur de créer. Moutou Moubika, y'a nous à quoi la main. Et pas Judith, et pour les canaux. Mais tout le monde s'est Judith, mais me voir venir au bar de mon père. Judith, y'a de la fin à la fin à fiancer à mon. Y'a, n'a pas tort, mais y'a une chose qui vous voit. Parce que passé à moi, si, et pèse à Kaki Zumbu Zumbu n'a pas. Passé à quelqu'un qui pèse à l'aide, pili pili pour yama. Mais passez à mon bali, on dirait que les gens ont eu le côté. Ne parlez jamais de votre passé, que le passé reste au passé. Commencez par le présent et voyez l'avenir. Deuxièmement, téléphone pour faire ma colle à bien ouvrir. Banabaké, toi, quatre. L'air à mes soupes, papa, si, mia, il va être égal à ma barabale. Amen, Tindi, la. SMS. Fondement de maman. Chérie, vous salez deux jours à Zoya, mais le yate, en tout cas, vous avez dit dans ma vie. Vous avez dit que vous avez un problème. Vous avez dit que vous avez un problème. Mais il y a une merdeuse qui veut tout simplement vous pourrir la vie. Vous avez dit que vous avez un problème. Si vous avez un problème, vous avez un problème. Parce qu'il y a l'air de me faire sentir. Il y a de ces gens qui ont comme principe les malheurs des uns font le bonheur des autres. Alors, bien sûr, nous avons dit que 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 nous avons dit
faut pas forcer les choses. Il y a aussi le destin qui est là. Que le téléphone ne vous sépare pas. Pour qu'il ait un téléphone. Gilbert, Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Un petit conseil, Kanda. Pourquoi pas dans silica? Faut même avant les balles, au silica, on a pu. Même hier, on a dit qu'il faut mettre un temple, pour chicoter, parce qu'il y a une humanité que, d'accord, le coup, le voilà, d'accord, tata, parce que comme il faut ça, la bonne est, il faut être soutenu. Parce que tu vas entrer dans la vie de couple. Mais pas par vous. Maintenant, ben, je vais vous avoir toujours faim.
la soumission devient automatique. Tu vas faire porter l'alliance à ton épouse. Laquelle est ma camounion soya bien. Tu peux parler en français, tu peux parler en lingala, tu peux parler en kiyombe, même en anglais je vais te comprendre. Même en chinois, je ne connais pas le chinois. Tu vas lui faire porter l'alliance en lui promettant l'amour, le respect, la fidélité, l'affection, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que Dieu va vous séparer. Ozola disait en haut, Ozota la yé ou ta la mouvé, parce que c'est à lui que tu fais cette promesse. Bien, bien. Qui nous va car, on va dire que ça m'a fait la mousse pour la mairie, mais tout va pas à la vie. Nous avons la mouvée que Baka la mouvée de Konaka. Donc ça les ningani. Yaya, Kimi ça, c'est ton jour. Moi et Télémi les locaux là. Kimi ça et ces moments, ces moments qui ne sont pas plus dans la vie. C'est un moment unique qui exprime ta joie. Tout ce que tu as comme bon sentiment dans la vie de ton épouse. À toi la tête. Devant Dieu représenté par les pasteurs, devant nos parents et devant nos amis. Bien parlé. Je vais te protéger. Amen. Je vais te respecter. Amen. Je vais te protéger. Yeah!
déposé à l'État. Le mois de mars, par devant nous, Marie-Josée Nyongonswami, maire de la ville de Goma et officier de l'État civil. Mon compagnon, en qualité de futur époux, Monsieur Mabéla Mfoukou Joubert, de nationalité congolaise, né à Boma, fils de Mabéla Edmond et de Kenga Mwaka Alexandrine. Profession, technicien de maintenance, résident à Matadi sur l'avenue Badouabade, numéro 29, quartier Ville Haute, commune de Nzaï et commune de Matadi. Et de Madame Nyongolandu Judith, de nationalité congolaise, née à Goma. Fille de Langoussala. Profession fonctionnaire, résidant sur l'avenue Badouabadou, numéro 29, quartier Villotte, commune de Nzaï. Lesquels nous invitons. Ville haute, commune de Matadi. Commune de Matadi. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescriptions de l'article 330 de la loi numéro 0016-008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant le code de la famille. Numéro 087-010 du 1er août 1987 et par une proclamation faite sur la place publique le 9e jour du mois de mars l'an 2021 et une affiche apposée au bureau de la mairie de Boma et nous ont produit à cet effet une attestation de célibat, un extrait d'acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance, une attestation de résidence pour chacun d'eux, époux et épouse, ainsi qu'une ordonnance numéro 1293-2022, délivrée par le tribunal de paix de Goma en date du 22 mars 2022, autorisant la célébration de mariage civil dans un lieu autre que le bureau de l'état civil, par l'officier de l'état civil de la mairie de Boma, à la résidence de feu gouverneur Jacques Kambadou, située au quartier Kikoukou dans la commune de Nzali, ville de Boma, en date du 25 mars 2022. Que retenir, la dot a été versée dans son entièreté et autres biens dont les limites sont en annexe, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture aux futurs époux de pièces relatives à leur état civil, les avoir instruits sur le droit et les voies respectives des époux et leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et épouse, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement et ayant opté pour le régime matrimonial de communauté universelle de biens. En foi de ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en présence de M. Balenda Yila Marc Aurel, profession avocat, résident à Kinshasa sur 23 Boudjala, commune de Ngaliema, et de Madame Tiba Lusala Lidej, agent à l'OIBECA. Tel que Madame le maire l'a dit, le mariage est un rendez-vous lui donné et lui recevoir. La belle famille de Gilbert a remis à leur genre de bouc plusieurs régimes de bananes et autres biens. Je dis et je vous remercie de votre sympathie pour votre attention.
na kine mondi se uvengi na mwende ya bokonti pembeni na yo banjedu bako boka mitoni kisope awa na se tundini yesu yo zali nzambe nika mwanyo so yo sala kapapa etindi to yemba yesu vandi na lola yo vandi na lola yo bongi na nkimbo papa to tongo la kayo yo bomba na Fandina Lola, ma colonna è niente ma bene, la mia poena sua è wapi. Yesu nanga, mon konzi batika yo. Nzambe nanga, papa to tombola kala weo, yo mumba na kate. Yo sani sema, ya maina goma yo, na pande na yonde, tomboni ipone. Yo sani sema, ya maina goma yo, na pande na yonde, tomboni ipone. Tomoni pole, Tokumi sakayo poza linzambe mosantu Bongo natina na yoe Natina na yoe Tome ngani banzambe Natina na yoe Natina na yoe Biso josi kolami Natina na yoe Tokumi bato Natina na yoe Tome ngani banzambe Natina na yoe Natina na yoe Biso josi kolami Kiswe Natina na yoe Tome ngani banzambe Natina na yoe Mama ya bana na bikeke mama ya usatu na lola mama ya mama ya mama ya yobo wana kate kumwe bongi na moto te bongi na yomo keli ikela mapoti na lokumi yobo kwa na kufa haleluya yobo wana kate pasa tu kwa beti maboko mama ya kuna lokumi ya tata mama ya tatu ya bongi na mkebo seyo seyo
Yolobiet et la bénédiction vient à celui qui croit en toi, Seigneur. Ton dimie est un zambé, baya qui a moko bakomi, baya qui mi balé bakomi moko nzambé. Tika ete yo sunga bango, olo ya via bango nzambé. Ate lipe mo sungi na biso, tolobi, amen. Amen. Moi je suis le Seigneur à l'université. Béni dans leur intimité, béni dans leur progéniture, béni dans leur projet. Mazanga et l'opoté, Zamba do la batela, Makilana yesu fini kabino. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Ne serez jamais atteint. Resterez debout. Jésus s'appuie sur leur char, c'est là sur leur chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils finiront par plier, par tomber. Et tes enfants, Jules et Judith, resteront debout. Soyez bénis, soyez heureux au nom de Jésus. Nous avons prié ensemble, disons Amen. Amen.
Nambe ya boye na zwa yo wapi Yesu nanga mokonzi batika yo Nzambe nanga ingina Papa toto mbola kala weo Yuma mungwa na kate Sami oyo ezalate Okoma kabipai oyo moto akomite o yaya Tiyolo meme djutu nani ombo de vagasyon Tokumi sakayo poza linzambe mosantu Ebongo natina na yoe Natina na yoe Tome ngani banzambe Na natina na yoe Natina na yoe Sozo si kola Natina na yoe Tokumi bato Natina na yoe Tu m'as mal banana.